Madame la secrétaire d'État à l'enfance, le 1er août 2020, votre prédécesseur annonçait la création d'une commission sur les violences sexuelles faites aux enfants, centrée sur la question de l'inceste. Le 23 janvier 2021, deux semaines après l'apparition du livre de Camille Kouchner, Emmanuel Macron s'adressait en ces termes aux victimes. Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives enfin explose. Il explose grâce au courage de celles et ceux qui témoignent. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer et c'est aujourd'hui à nous d'agir. Le 11 mars, la Civise était installée avec une feuille de route pour 2 ans, bientôt 3. Au cours de ces presque 3 années, elle a recueilli près de 30 000 témoignages auprès de victimes dont la première phrase était souvent « J'ai attendu ce moment toute ma vie ». Pour se confier, il faut avoir confiance. La Civise a su devenir cette personne de confiance qui s'incarne pour les victimes, les collectifs, pour le grand public, dans la figure du juge Édouard Durand. Or, depuis plusieurs mois, l'incertitude pèse sur le devenir de la Civise. Son mandat sera-t-il prolongé? Sous quelle forme? Et avec qui à sa tête? Alors qu'aucune annonce officielle n'est venue répondre à ces inquiétudes, vous avez déclaré il y a 3 jours dans la presse « Je souhaite que le travail de la Civise continue avec une nouvelle feuille de route ». Mais hier, lundi 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, alors que la Civise présentait son rapport et qu'avait lieu le comité interministériel à l'enfance, on n'en savait pas plus. Madame la secrétaire d'État, confirmez-vous que la Civise sera maintenue? Avec quelle feuille de route? Et le juge Durand pourra-t-il poursuivre sa mission, comme c'est le souhait manifeste de l'ensemble des associations et des centaines de personnes réunies hier? Le 23 janvier 2021, Emmanuel Macron concluait par ces mots. On vous écoute, on vous croit, vous ne serez plus jamais seul. Dimanche, vous avez également déclaré « Nous avons encore une révolution à accomplir pour protéger nos enfants ». Je suis d'accord avec vous. Vos réponses diront si ces promesses seront tenues. Merci. Je vous remercie. Beaucoup.